Bonjour à tous et à toutes, nous voici pour la suite des aventures sur Age of Mythology Retold. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et tout de suite, on va aller faire Isis, entend mon appel. Khemsit a fait prisonnier la plupart des héros dans la cité d'Abydos et Amun-Ra doit les sauver. Donc là, c'est aussi une partie qui est très sympathique, que j'aime bien. Allez. Bon là par contre c'est pas une partie qui va être rapide. En tout cas je vais essayer de faire ça. Mais c'est pas si rapide que ça. Qu'est-ce que cet endroit a de spécial? C'est le centre du royaume d'Osiris. Voici son palais. À présent, je dois apporter la relique à Setna. Setna est déjà notre convive. Et maintenant... Vous l'êtes aussi. Emmenez-les en prison! Isis, entends mon appel. J'ai été trahi par un serviteur de Seth. Accorde-moi ta bénédiction, et je me vengerai. L'Atlantéen et ses hommes ont été emmenés à la prison. Vos alliés recommandent une diversion pour que vous puissiez vous y faufiler et le sauver. Gereg. Isis vous sourit, Amun-Ra. Rendez-vous aux édifices proches pour les rallier à votre cause. Nous. Donc vous avez entendu, il faut qu'on s'amuse à aller un peu à droite à gauche dans la map pour découvrir les statues et les les statues et les temples. Merci. Hop. Alors déjà, on va s'amuser. Inwich, Baya, Greg, Baya. Gereg, Bea, Inej, Rek. Yep. Hro en Yawit, Ak. Tuk. Hro en Yawit. Hro en Yawit. Hro en Yawit. Mon dieu, c'est long quand ils disent pour faire du bois. Voilà, donc on met nos très chers habitants à faire tout ce qui est nourriture, bois et or. Et bah là, on va surtout aller se promener avec, justement avec elle. En fait, vous voyez tous les édifices en jaune, là, pour Pharaon, etc. C'est pour avoir des faveurs. Cet édifice nous octroie une faveur supplémentaire. Voilà. Donc là, tout cela, là, tout ce qui est édifice et temple, il va falloir faire un petit peu de découverte. Inejerek, Irefai Yu, Ak. Alors, cette. Irefer. Ce coffret de Neftis, c'est les unités mythiques coûtent moins cher en faveur. Ak, Irefer. Très pratique. Alors, ici, il y a des ennemis, mais il y a aussi un temple à aller découvrir. Vous voyez le temple là? Kayu, Yu-I-R, Ak. Bon, on va pas aller trop loin pour l'instant. Gereg. On va attendre d'avoir tous les temples pour avoir en fait toutes les unités. Isis nous a octroyé un temple. Voilà, qui dit temple, qui dit créature. Et derrière, il y a un édifice. Inejerek. U-I-R. Là, pour l'instant, je vais surtout faire les facultatifs et on détruira le bastion de Middol après. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait aussi. In Wedge. Ici. Hi, you. Là où tout est jaune, en fait, faut aller dire bonjour aux statues. U-I-R. I-R-F-R. Voilà. Déjà ça. Et après, il faut aller de ce côté-là. U-I-R. Donc là, il va y avoir voilà, quelques soldats, mais ils vont pas vous poser tant de problèmes que ça. Vous pouvez faire juste avec Amun-Ra. C'est très très bien, surtout en plus que là, il y a un temple. Donc, ça va nous aider.
Caillou. Alors, comme ça, au moins, ça va amasser des ressources pour qu'on puisse faire la guerre après à Gargaren 6. Act 2. Voilà. Donc, toutes ces unités-là, elles vont aller ici. Voilà. Alors, si vous voulez savoir, ici, il n'y a rien de spécial. Hein. C'est juste un oasis avec des bébêtes. On va aller zioter ça, mais voilà, ici je vais pas y aller. Voilà, il y a de l'or. Et par en haut, en fait, c'est du bois et surtout de la nourriture. Donc on va pas trop retarder tout ça, parce qu'en vrai, hein, la nourriture, hein, vous avez des fermes, ça suffit large. U-I-L. Mais voilà, il y a de l'or partout. U-I-L. I-A-A-T-U. Les soldats de Kemsil bloquent l'accès au port. S'ils se retiraient pour défendre le Migdol, votre passage n'en serait que plus simple. Ak. Migdol. Ouais. Taiyu. Voilà, donc ici, on va commencer. Ak. Oh, c'est pas grave ça. Il on va aller commencer à leur dire bonjour. Parce que là, voilà, ils veulent nous dire bonjour. C'est pas grave, hein, si le temps fait des trucs. Nous avons plein de temples ici. Ayo Refair. Voilà. On a réussi quand même à le sauver. Caillou. Bah tiens. Irrefer. Qui m'attaque? Energetic. Caillou. Ia. Air. Raptor. Il est où mon pharaon? Là. Caillou. Irrefer. U-I-R. Est-ce que j'attaque sur le côté? Greek. Enito. Taio. Entio. Taio. Je t'ai dit quoi, toi? Merci. Ça peut toujours être utile, hein. Hop, on va prendre tous nos personnages. U-I-R. Oui, Amandra et nos créatures mythologiques. Et on va leur dire bonjour. Toi, tu soignes. Enito, Taio. En plus, il n'y a même pas de porte. Allez, en avant. Allez. Une armée aux ordres d'Isis, Cyclope. Ayo Refair. Voilà. U-I-R. Dayo, U-I, Dayo, U-I-R. Dayo, Ayo Repair. Dayo, U-I-R. Dayo. Nickel, t'as fini. Hop, tu vas retourner là-haut et tu vas nous faire de la bouffe. Voilà. On va ouvrir, hein. On va faire des portes. U-I-R. Naturelles. Voilà, comme ça on va pouvoir passer au cas où. Et ça, cette petite éclipse, en vrai. Merci. Ah bah, nous en a redonné. C'est cool, allez hop. U-I-R. Les pauvres Liennes, elles ont rien demandé. Hop. Et faire un petit tour de... Dayo.
Amenez les gardiens de la prison pour nous aider ici. Amon-Ra a rasé notre bastion. Amenez toutes les troupes en position défensive. Oui, les troupes, hein. Voyez ici, voilà, c'était devant, et bah là, ils vont se mettre derrière. Ayo refer. Voilà, allez, excusez-moi tout ça. Ayo. Ayo refer. En vrai, cette partie, je trouve, elle est quand même assez sympathique. Et brûlez-moi tout ça, là. Dayo. Ayo refer. Alors, on va aller discuter là, avant. U.I.R. Avant de tout détruire, pour être tranquille, refer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'ennemis qui viennent de ce côté-là. Voilà. U.I.R. Allez, go. Aïe, voilà. Refaire. Allez, détruisez-moi ce temple sur le côté là. Oui, Dayo, U.I.R. Alors, on va pas aller tout à fait vers la gauche. Aïe, hein. Dayo. Aïe, refaire. U.I.R. J'adore les petits sphinx. C'est dommage parce que quand ils sont en mode. Sable, et ben ils arrivent quand même à se prendre des dégâts alors qu'ils devraient pas. Ayo refer. You Ayo. Ayo refer. Ça s'appelle se faire cramer là. Réellement là, il s'est fait cramer le truc. Dayo. On en a quand même perdu quelques-unes des unités mythologiques, hein, mais ça va. And we Ayo refer. Voilà, comme ça, ils n'ont plus d'unités à entraîner, en tout cas en bas. Je sais qu'ils sont par là, hein, les unités là qu'ils ont déplacées, qui étaient devant cette porte-là. Là. Yeah, là. Toc. On va faire là, vous les loulous. Parce que après là-bas, c'est un peu risqué. Allez, on va retourner là-bas. On va finir de tout dégommer, parce qu'il y a encore quelques bâtiments, je crois, qui peuvent faire des soldats, si je me trompe pas. Mais bon, en même temps, tout détruire, c'est bien aussi. Dayo. Et avec ça, de toute façon, à quoi ça sert d'améliorer? Si, je vais peut-être aller ça améliorer. Non, on pouvait pas passer d'âge suivant, on est bien d'accord. Enito, grec. Ayo refer. On va continuer à détruire. U.I.R. Voilà. Oui, je sais, pour aller là-bas. Et si vous voulez savoir, en fait, vous êtes pas obligé de tout détruire. Hein. Là, c'est juste parce que je fais une muse. En fait, vous détruisez juste le bastion. Ensuite, vous amenez Amon-Ra en fait au bateau. Et vous finissez assez vite le niveau quand même. Après là, je fais mumuse, hein. En vrai, vous n'êtes même pas obligé d'aller affronter le village de Kemsit. Hein. Vous n'êtes pas du tout obligé. Hein. Jusqu'à c'est moi qui fais mumuse. Mais en vrai, hein, vous pouvez tout à fait l'esquiver. Dayo. Ayo refer. Dayo. Alors avant ça, on va aller. Oui, tiens, d'ailleurs, elles, ce sont des unités qui ne peuvent pas se faire toucher pour détruire la tour. Hein. Ça, c'est clair. And we Dayo. Le pauvre, il n'y a pas assez de place. Sur les reçus d'or, les enfants. Je voulais détruire les murs, mais la nuit n'est pas trop. And we.
Dayo. Voilà. UIR. Dayo. On va faire une petite entrée ici. Ayo refer. Dayo. Ayo refer. Alors les enfants, vous allez rester là pendant que le prêtre va vous soigner. Dayo. Voilà. Donc, je vous explique. Là, l'armée, elle est juste ici. Elle est vraiment à la porte de la ville qui est pas loin, là, qui est de ce coin-là. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous pouvez aller amener Amanara ici, prendre le navire et faire la suite de l'histoire pour ensuite, en fait, libérer Arkantos et toute la troupe. En vrai, vous faites quelques unités mythologiques, hein, enfin mythiques, et vous allez ici et c'est fini en vrai, hein, le jeu, enfin la partie est finie. Mais vu que Isis nous a donné quand même pas mal de monde, en vrai ça là c'est assez large, en tout cas en facile, pour pouvoir détruire la ville. Parce qu'en plus on a une éclipse et on a ancêtres, donc c'est les squelettes. Oui. Enito. D'ailleurs, Amanara, elle est... In Wedge. Non, c'était pas toi que je voulais. C'était elle, voilà. Alors, ce qu'on va faire... Ak. Vu que, pour l'instant, les unités, ils sont derrière la porte, hein, ils vont pas nous embêter. On va aller au niveau du bateau. En fait, on peut les contourner, on peut jouer au serpent. Mais en vrai, je vais pas trop jouer au serpent non plus. C'était juste pour éviter que ça fasse cling 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 toutes les 30 secondes, hein, parce que ça va pas arrêter. Donc pour éviter d'embêter le monde, on va aller les voir, enfin le voir. Amandra, nous avons préparé un véhicule. Utilisez-le pour vous infiltrer dans la prison. Garrett. Voilà, donc vous utilisez ce navire de transport. Vous l'envoyez ici. Donc là, c'est à Bidos, hein. Donc eux, ils vont vous mettre à disposition les ports et les navires. Ça sera pour la suite. Mais avant, on va aller s'amuser un tout petit peu et on va aller dire bonjour à la cité de Kemsit. Enfin, en tout cas, ce qui va en rester. Ah oui, voilà. Ça, t'as fini d'être soigné. Hop. Anti-arc. Donc, on va faire In Bayou. Des maisons. Kid. Parce que Kid. Je vais refaire quand même un petit peu de Kid. De créatures parce que ça fait juste. Bah, on peut y arriver, hein, mais ça fait juste. En vrai, est-ce que je ferais pas. Ouais, si on va faire autre que des unités mythiques. On va faire aussi des archers. Toc. Toc, 5 de chaque. Un petit crocodile qui arrive. Toi. Viens là. Toi, il y en a un qui est plus proche. Oui, j'ai bien fait de pas le détruire, mais en vrai, on en a 36 là sur le côté aussi. D'ailleurs, les pauvres, ils ont plus de temple à eux, on leur a tout piqué. je vais refaire des prêtres parce que c'est des unités mythiques, ça c'est cool. Tac, voilà. Comme ça, ils vont nous laisser tranquilles le temps qu'on remette un peu tout ça d'aplomb. En vrai, pas besoin de s'embêter à faire. À faire 36 trucs. Si j'avais fait déjà. À faire trop de villageois, en tout cas en mode facile, ça va tout seul. Hein, voilà. Et si vous avez besoin d'or, vous avez un marché. Et vous avez aussi, voilà, je l'ai pas découvert, mais si je me souviens bien, ils ont un forum dans le coin. Après, sinon, vous mettez un marché un peu plus loin, et puis hop, ça va aller. Donc là, dans la citadelle, et puis vous avez de l'or assez facilement. Si ils en ont un, parce que, je veux dire, s'il y a le petit chameau. Ah oui. Attendez, deux minutes. Ils avaient fini. On va en faire là. Hop. Et on peut plus. Ça y est, c'est fini. D'ailleurs, non, ils avaient pas de forum. Le forum, il est là où on va attaquer. Voilà. D'ailleurs, les cochons, ils ont fini. On va pouvoir faire des cochons. Toc.
Ah oui, si, par contre, ça peut toujours être utile, ça. Hop. N-U-I-M, Béa. L'autre, tu retournes là-bas. Je crois qu'on est pas mal. Hein. Ah oui, non, c'est pas lui, c'est... Pas sûr que ça arrive à faire tous les crococos, les crocodiles. En vrai, pas besoin. Je crois qu'on en a assez des crocodiles. Hein. Des pétésobecs. Pétésobecs. Je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas des sobecs. Voilà. Je crois que c'est bon. On a assez de personnes pour aller dire bonjour. Ça, c'est quoi? On va faire ça aussi. In way. Tac. Eux, en vrai, j'en utilise pas. Ça non plus. C'est vrai que je pourrais, mais vu qu'il y a les scarabées qui nous ont donné en masse, c'est pas grave. Enfin, voilà quoi. Comme j'ai dit, je voulais voir. Je crois qu'ils nous ont pas mis de marché. D'accord, hein, ce marché-là, c'est juste celui-là. Ouais, non, ils n'ont pas mis de marché. Hein. Faut qu'on en fasse un. Jack, tu vas me mettre un marché, tiens, juste là. Il y en a, oui. Pour moi, okay. Je vois pas de marché, je vois des casernes. Hein. Je vois un atelier de siège. Mais non, on est d'accord, ils nous en ont pas mis. Hein. Voilà, comme ça, toi, tu vas faire travailler plus vite. Et on va les découvrir pour... Ouais, bah, le forum est juste là, vous voyez. Donc eux, ils sont mis là-bas pour le marché. Et là, on aura du poisson en plus, hein, vu que les porcs vont nous appartenir. Je crois qu'on est paré pour aller faire la guéguerre. Alors juste avant d'y aller, d'aller dire bonjour à Kemsit et Gargarensis, on va les finir. Notre marché. Toi, tu vas retourner au niveau de l'or. Toi, tu vas retourner là-bas. Et est-ce que je peux le viser? Oui. Toc. Si j'ai pas assez, c'est pas grave. Je crois que ça prend que... Ça prend que une personne, oui. Donc c'est bon. Ça... Anti-refer. Ok. In wedge, ak. Allez. Yo-yer. Allez, fais les cochons. Et bah, je crois qu'on est, on est bien. Nous sommes très très bien. Et bah, pendant que mes petits chameaux vont se faire, on va aller s'attaquer à... Ce qui reste. S'amuser. Ah bah tiens, on l'entend. On les entend se créer, mes petits chameaux. Dayo. Allez. Alors comme j'ai dit, c'est optionnel ici. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller les attaquer. Ah oui, déjà, il y a un bon film. Non, je l'ai pas passé. Il y a quand même un film avec vos rayons. Voilà, amusez-vous. D'ailleurs, c'est en anglais, à la base, c'est un héros énorme. Bah, par contre, vous n'allez pas vous tourner les pouces. Allez, mangez-moi ce forum là. Ah.
aussi là. Voilà, on s'amuse. Into you. Into you. Voilà, voilà, allez, 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 on attaque là. Oh, les feignasses là. Voilà, donc là on est juste à côté. Bon, tu grimpes, grosse fesse. Ah non, tu peux pas grimper. Hein. Trop grosse fesse. Et bah écoute, si elle est trop grosse fesse, tu vas venir là-bas. Into you. Voilà, là on va soigner un peu tout le monde. Bon, là il y a encore quelques bâtiments, mais bon, c'est pas. Into you, U-E-L. Tiens, amusez-vous là-bas, là. Here at you. Donc voilà, on peut s'amuser à faire ça. Après, vous n'êtes pas obligé de faire une armée pour aller donc les attaquer, mais je crois qu'à un moment donné, quand même, si vous tardez, celle qui est devant ici, elle vient vous embêter. Into you. Hop. Donc là, il n'y a plus personne qui vont venir nous embêter. On peut prendre notre temps et... J'ai pas le droit, ok, d'accord. C'est mes potes, mais j'ai pas le droit. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. Ce sont pas assez mes potes, en fait. C'est pas grave, on va utiliser notre forum à nous. Ça fait pas très loin, mais... C'est mieux que rien. Donc, on va prendre... Un manra. Il va faire. Alors, il y a besoin que de elle, hein. Il n'y a pas besoin de 36 000 personnes. You hear hi you. Je veux que tu ailles dans le petit bateau. Vous mangez le mur là. Oups, pas tout le monde. Any you I air. Moi la porte pour que tu puisses aller manger là-bas. Ça se voit que c'est pas des unités faites pour détruire des bâtiments, hein. Ouf, au secours. And Ayo. Et voilà, donc on aura de l'or Ayo pour la... Refer, donc ça c'est cool, en vrai. D'ailleurs, l'or ne bouge plus, ça veut dire qu'ils ont dû finir... Non, oh non, j'ai rien dit. Ils ont pas du tout fini. Toc, j'ai entendu and rentrer which. Dans le bateau. Hop, direction ici. Alors vous devrez pas vous faire... attaquer. Enfin, en tout cas, pas en facile. Peut-être en difficile, mais pas en facile. Vous allez directement là-bas. Après, s'il faut faire quelques into petites you. Morts en vrai, Greek, on peut, hein, on peut en tuer quelques-uns. Hein. C'est pas dérangeant. D'ailleurs, vous allez rester là-bas, là, au cas où s'il y a des bateaux qui passent. Donc, ouais, je pense que je vais tuer. Oh, quoique. Garrett. Ouais, non, ça suffira large. And wedge. Je vais rester avec tous ces petits bateaux. Alors, vous voyez, into au cas you, où s'il y a le bateau de transport qui est détruit, on en a and d'autres. Après, j'ai Garrett. Jamais eu le problème d'un héros mort dans un bateau de transport, into donc you. Je sais pas ce que ça peut dire. Donc là, on peut faire des bateaux de pêche, etc., etc. On peut faire donc des léviathans. Qui peuvent nous aider. En vrai, ça peut faciliter d'avoir des léviathans, ça va beaucoup plus vite. Mais là, on va se dépêcher. Alors, nous avons une catapulte qui va nous agresser ici.
Elle fait excessivement mal au bateau, si vous voulez savoir. Hein. Et voilà, vu qu'on est trop proche, elle va s'aimer pas. Voilà, ça c'est fini. Hop, par ici il n'y a rien, hein, si vous voulez savoir. Et là, on va faire le tour pour, voilà, pour tuer les bateaux. Ils vont nous embêter. Hop, j'adore la tortue. On va mettre trop de temps, par contre, à utiliser sa capacité spéciale, on va dire. Voilà, il y a quelques petits méchants aussi, mais vous voyez, hein, c'est pas grave si on perd des bateaux. Ils nous en donnent largement assez. Je sais qu'il y en a aussi ici. Voilà. Il est parti où notre très cher ami? Hop, je sais. À quoi que. Non, je crois qu'il y en a encore ici. Ou c'est les bateaux qui étaient en fuite de la dernière fois, ce que j'ai. Comme d'habitude, hein. Je fais la petite partie avant de vous la montrer. Non, ouais, les bateaux qui sont ici, en fait, s'étaient échappés parce que bah, mon équipe était en train de leur rouler dessus. Et ben, on va les faire venir à Manra, même si s'il n'y a qu'une personne là qui garde. C'est tellement bien fait en fait là, la coupure, c'est tellement beau comme ça. Parce que je me souviens de la coupure des jeux en vrai, hein, c'est... Enfin, en même temps c'est un jeu de 2002. Je vais pas lui demander d'avoir de jolies coupures. Into you. Oui, je vais poser à Manra, c'est bon. Hop, et voilà, on la pose. Donc si vous voulez, hein, vous pouvez faire des bateaux de pêche pour avoir de la nourriture ici. C'est un petit peu. Ils sont en train de cramer, mais ils sont toujours vivants. Ah oui, il est là, je les vois. Le petit lancier. Eh bah écoute, il va se faire, tuer par Amanra. Et voici la partie finie. Libérez-les. Nous devons nous échapper de cette ville. Il s'est fait déplumer. Alors, Setna. Tous les autres prêtres d'Osiris ont été aussi emprisonnés? Certains ont été laissés pour morts dans le désert. Mais pourquoi voulait-il tuer Osiris? Vous ne savez donc vraiment pas. Vous semblez toujours vous cacher derrière quelque chose quand je vous vois, Cyclope. Vous m'avez arrêté en Grèce. Vous êtes échappé des enfers et êtes arrivé ici avant moi. Impossible que vous y soyez parvenu par vous-même. J'apprendrai quel dieu vous soutienne sur le champ. Le seigneur Poséidon veille sur tous les habitants de l'Atlantide. Le seigneur Poséidon? Vous êtes plus stupide que ce à quoi je m'attendais. Voyons donc s'il veille toujours sur vous. Vous aurez peut-être moins envie de vous battre quand je vous aurai arraché la tête. Je m'occuperai de vous tous en temps voulu. Nous avons des affaires plus urgentes à régler à la pyramide d'Osiris. Ça s'appelle de la haine un petit peu là, parce que Gargarin ici c'est en mode ouais, je vais vous faire parler, et puis là il voit les autres arriver. Ah bah en fait, au revoir, salut, on se verra plus tard. Ah, j'adore. Ah, cette haine, et il doit être dépité aussi. Enfin bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis bah, on verra bien un petit peu ce que la suite va nous dire. Est-ce qu'on va enfin pouvoir aider Osiris à se réincarner, plutôt revivre? Oui, je sais pas comment on dit ça, surtout que c'est un dieu, donc c'est un peu bizarre. Enfin bref, allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.